Merci d'être là. C'est la deuxième année, grâce à M. Rapp, que nous accueillons un concours des meilleurs apprentis. C'était fleuriste avant. Voilà, c'était fleuriste. Là, on est au paysagiste. Je ne sais rien refuser à M. Rapp, parce qu'il fait la promotion de Mulhouse, il fait la promotion de notre territoire, il fait la promotion de la qualité, il fait la promotion du beau. Et nous y sommes vraiment très attachés. Et donc, le concours du meilleur apprenti de France est sous l'égide des meilleurs ouvriers de France. Et je voudrais vous dire, comme l'a rappelé Monsieur le maire, qui se déroule pour la première fois à Mulhouse. Vous êtes 20 jeunes à être venus jusqu'à Mulhouse pour ces sélections. Nous sommes bien sûr très heureux de pouvoir continuer à mettre notre engagement au service de la valorisation des métiers, de l'excellence professionnelle. Et je crois que nous sommes, je ne crois pas, je suis sûr que nous sommes ravis de montrer notre attachement à la transmission des savoirs. Et donc faire passer le flambeau aux générations montantes. Nous voulons être les missionnaires du beau, nous voulons être les missionnaires de l'utile, de la créativité, et je crois que nous souhaitons, visiteurs, que cette exposition est pour chacun des visiteurs et pour nous la force de l'exemple. Je crois que vous avez relevé le défi et vous avez fait tous de très belles réalisations. Félicitations encore à tous. Sont reçus au titre de un des meilleurs apprentis de France en travaux paysagers. Bonin François. Il vient du Rhône. Buisson Vincent, de la Savoie. Laurent Marvin. Pico Valentin, du Cher. Le roi Franck, du Pas-de-Calais. Klaus Cédric, du Bas-Rhin. Jérémy de l'Ille-et-Vilaine. Il y en a 7, on s'arrêtera à 7. Donc toutes mes félicitations aux 7 reçus au titre. Et nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de Furet Mulhousien.